Étienne. C'est Renaud. C'est Renaud. C'est pas Renaud, c'est juste nous. Bon, on vient de récupérer Arthur à la crèche, un petit peu plus tôt que d'habitude. Et on est sur la route pour aller se payer une bonne partie de neige. Petit week-end au ski. Alors, week-end au ski avec un enfant de 2 ans. Ça va plutôt être un week-end luge, un week-end aussi, on va dire, professionnel. On a amené le drone, on a amené les GoPro, on a amené tout ça pour continuer à faire des superbes vidéos de Arthur en train de faire de la luge. Oui, parce que là, il est surtout en train de regarder Peppa, voilà. Il vient de goûter et là, on l'a calé tranquillement dans son siège auto. Ouais. Enfin, première neige, première neige. Il y a de la neige. Regarde au bord de la route, dans l'herbe, chérie d'amour. Regarde dans l'herbe, il y a de la neige. C'est la neige, ouais. C'est la neige. Partout, il y a de la neige, oui. Partout, partout. Il y a de la neige. Oui. Partout, partout. C'est super, hein. Tu vas toucher la neige pour la première fois. Tu vas voir la neige pour la première fois. Oui! La neige! Ouais? C'est la neige? C'est chouette, hein? C'est beau! C'est beau, hein? Il y en a partout, ouais! Oh, elle est de quelle couleur la neige? Blanc! Blanc, oui, c'est blanc! Elle est blanche! La neige! Oui! On a vu un camion, oui. Ah bon? Ah oui. Il bouge. Il est bleu. Ah oui, il était bleu le camion, oui. Un camion bleu, oui. T'as vu de la neige? Et des vaches? C'est maman qui tient la camion. Ouais, t'arrives dans toute une ambiance. Voilà, il fait noir. Il y a la neige, Arthur, et les lumières. Oui, t'as vu ça? Oui, mon chéri. Il y a la neige. Et comment ça s'appelle? Le Grand Hôtel. Ah non, mais c'est le Grand Hôtel. Alors, Arthur, qu'est-ce que c'est? C'est la neige. Oh, oui. Quoi? On va mettre un manteau, il fait froid. Hein. On va mettre un manteau et des gants. Hein, Arthur, et on va faire le lacet aussi. Hein. Maman. Oui, il y a de la neige partout, partout. T'as vu? Oh. Arthur est tombé dans la neige, les mains la première. Il n'a pas du tout apprécié que ça soit froid. Maman. Mm-hmm. T'as vu, il y en a partout sur la voiture. Alors, petit room tour. Ah oui, il y a un avion. Je fais un bisou. Un petit bureau. Et ensuite, ici, nous avons la salle de bain avec des toilettes, la douche et le lavabo. Bon, c'est très mignon. Ça a été bien rénové. C'est très mignon. Et ça ira très bien pour ces deux nuits de week-end. C'est un petit château, un petit truc sympa, maison des années 50. Très charmant. C'est très charmant, oui. Ça fait pas du tout l'image. C'est voilà. Un petit château. On va aller voir. On va aller manger. On va aller voir un peu la ville de nuit. Voilà. Allez, go. Voilà. Allez, viens. C'est beau. Excellent. Papa, papa,
Allez, on y va. Bonsoir. Couteau. Oui, je t'ai piqué ton couteau. Allez. Les cookies. Les cocottes. Les cocottes. Allez, mon petit cœur. Chill. Tu chill avec nous. Chill. Chill, papa. Chill, maman. Regarde. Oh, les gourmands. Oh, ça fait des piles. Faut tourner. Waouh, waouh, waouh. Ça y est. Ah, bravo. C'est beau. Ah, c'est beau, hein. C'est beau. Ah oui, c'est beau. Oh, oh non, oh non, au secours. Oh non. Oh là là, oh là là, oh là, oh là là, oh là là. T'es prêt? 2, 3. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh, c'est mignon. La Dordogne. La Dordogne. Hop là! Allez, ça! C'est pas grave, c'est lui, hein! C'est comme ça? Vas-y, 1, 2, 3! 1, 2, 3! Voilà, il a failli se casser le dos! Je t'en fous, dis! Oui, j'ai beau! Croc, croc! Ça fait rien, ça fait rien, mon cœur. Tu veux le croissant? Bon, on vient d'aller récupérer une luge. Donc du coup, on l'a loué, comme ça c'est plus simple, pas besoin de la transporter. 7 euros pour la location, on la garde comme on veut. Et après on va la rendre, voilà. J'ai eu d'acheter des trucs, après on stocke. Donc on est arrivé, aujourd'hui pas de soleil, il pleut, il devrait neiger cet après-midi. Yes. T'es prêt? Il rigole. Alors, qu'est-ce que ça passe? C'est rigolo? Allez, allez, hop là. Encore? Tu rigoles? Oh, et voilà, maman porte bébé. Hop. Allez. Ouais, papa. En fait, bébé, on n'est pas venu ici faire la luge. C'est pour toi, mon chéri. C'était pour maman. Ouais. Maman. Et maman, comme elle fait. C'est parti. C'est parti. Coucou bébé. Ça y est, il est bien là. On est parti pour 8 jours. Il rigole. Ça c'est rigolo. Tu mets les deux freins tout le temps. Allez. Attention, elle arrive, maman, elle arrive, elle arrive. Allez. Oh, il est gentil ce bébé. Allez, Ouïs. Il se marre. Il se marre. Je le vois qui rigole. Je le vois qui rigole. Allez, encore. Encore, on va jusque là-bas. Hop. Hop. Allez.
bien le tunnel. C'est bien le tunnel, c'est mieux que la luge le tunnel. Allez, on est assis. Ouais, le tunnel. Avec maman. Tu veux pas aller dans la luge? Non. Il est bien. Ah oui, il est bien. Ouais. Le tunnel. Un petit peu, encore? Non. Limite, tu peux descendre à pied. Hein. Quoi? Tu peux descendre à pied, limite. Oh, on va encore faire du tunnel. Allez, allez, c'est parti. C'est plus rigolo le tunnel que là. Pourquoi on va au ski en fait? Alors, on s'en était arrêté à une petite crise qui allait commencer. Puisqu'après la luge, Arthur voulait un chocolat chaud. Eh bien, on l'a, le chocolat chaud. Et du coup, papa et maman, ils n'avaient pas faim, parce qu'il est un peu moins midi. Mais on a quand même craqué pour un petit jarret lentilles. Avec des frites pour bébé, une bière. Et je vois qu'on n'est pas les seuls à manger, parce qu'il y a du monde partout. Il y en a partout. Voilà. Il est bon ce chocolat? Comment on dit? Chocolat? Tu voulais un chocolat chaud? Et après on va faire le tunnel? Après. Ouais. De technique, on va faire décoller le drone, ça va être sympa. Je dis madame, on veut des crêpes. Dis vite. Madame. On veut des crêpes. Tu sais qu'ils ont inventé les luges, hein? Ouais, pas que les bottes, hein. Allez, vas-y. Allez. Allez, tiens, maman.
allez. Allez, pousse-toi. Allez, pousse. Pousse. Allez, pousse maman. Allez, vas-y. Ça va. Non. Qu'est-ce qu'on fait? Il est cola chaud, cola chaud, cola chaud, cola chaud. Cola chaud, cola chaud. Ça va? Tu t'amuses bien avec le chocolat chaud? On est chine avec papa. On est en train de boire un petit pain chaud qui est très bon. Alors, on choisit une mousse. Je suis. Bon, je suis complètement oubliée de filmer quand les plats sont arrivés. Mais Arthur adore ça. J'ai pris une tartine avec du fromage et des petits lardons. Et Arthur est en train de me manger ma tartine. Ah, c'est bon, mon cas. J'aime bien. Il en a plein la bouche. La tartine. Et papa, il a pris une salade. Une salade auvergnate. Mm-hmm. Ni végétarien, ni auvergnat. Ah, ah, le riz, c'est une tartine de gâteau. Maman, elle a pris une mousse au chocolat. Mousse. Mousse au chocolat. T'en veux? Gâteau. Le gâteau. Coucou, bon dernier jour à la neige et ce matin on a eu le plaisir de découvrir qu'il neige. Alors il neige. Mais c'est surtout que là c'est carrément la tempête quoi. Donc du coup on se demande qu'est-ce qu'on va faire. Parce que avec bébé je suis pas sûre que ça soit super agréable. Au sommet ça va sûrement être pire. Et c'est vrai que quand il neige comme ça, avec un petit, c'est pas facile, on n'a pas de lunettes et tout ça. Donc on aurait bien voulu un petit rayon de soleil, mais a priori, c'est pas au planning ce matin. Voilà, donc faut faire avec, hein, faut s'arranger du temps, donc on va voir. Le petit bébé est installé derrière, il a réclamé les dessins animés. Donc il va regarder un petit peu les dessins animés pendant qu'on monte quand même au sommet, parce qu'hier on a loué la luche, mais on est arrivé à 17h, c'était censé fermer à 17h30 et en fait il n'y avait plus personne pour rendre la luche, donc du coup on va essayer d'aller la rendre aussi ce matin, histoire de pouvoir récupérer notre pièce d'identité. Voilà, voilà, donc on vous tient au courant. Bon, il se passe qu'en fait, on est monté donc au Mont d'Or à la station de ski et c'était juste trop la tempête et c'est juste impossible avec Arthur de faire de la luge ou même quoi que ce soit. Le pauvre, il a eu juste trois petits flocons sur son visage à la sortie de l'hôtel et il râlait déjà, donc on va pas trop le bousculer parce qu'en ce moment, il est dans son mode, le moindre truc qui le gêne, ça y est, c'est la grosse crise, donc... De toute façon, c'est pas agréable, il y avait absolument personne comme enfant, si ce n'est ceux qui skient, mais ils étaient couverts avec les lunettes et tout, et nous, on n'est pas assez équipés. Donc du coup, on a décidé de passer notre chemin et de prendre la route. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, mets-nous un petit pouce, ça nous aide beaucoup. Pense à t'abonner également pour ne rien manquer et active la petite cloche.
Tous les liens sont en dessous de la vidéo et suis-nous aussi sur Insta et sur Facebook pour voir des photos inédites et exclusives de nos voyages et de notre famille. À dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.